This is Angkor Wat. Voici Angkor Wat, le plus grand complexe religieux du monde. Le parc archéologique d'Angkor représente les plus grandes réalisations de l'Empire Khmer, datant du 9e au 15e siècle. Mais en raison des fortes pluies, des pillages et du manque de protection pendant des siècles, la plupart des temples d'Angkor ont été gravement endommagés. En 1993, la Chine est devenue l'un des premiers pays à se joindre à l'action internationale pour la sauvegarde d'Angkor, lancée par le Cambodge et l'UNESCO. Les travaux ont officiellement commencé à Chao Saoy Thevoda, en 1998, par une équipe conjointe sino-cambodgienne chargée de sauvegarder Angkor. Le temple n'est pas très grand par rapport aux autres vestiges d'Angkor, mais il a été l'un des plus difficiles à restaurer. 8 des 9 bâtiments étaient gravement endommagés au moment où l'opération a été lancée. La difficulté de la restauration de Chao Saoy Thevoda résidait dans les 4000 éléments du temple qui traînaient sur le site. Nous avons donc proposé de les sauver, de les renforcer, tout en renforçant la protection du site et en remettant un grand nombre de pièces à leur place d'origine. Voici la bibliothèque sud de Chao Saoy Thevoda. Elle semble être complète, vous pouvez voir certains détails. Mais laissez-moi vous montrer une photo avant la restauration. On ne peut pas vraiment dire ce que c'est. Après une dizaine d'années d'efforts, le site a été restauré en 2008 et a recommencé à accueillir des touristes. En 2010, 2 ans après l'achèvement du projet Chao Saoy Thevoda, l'équipe a commencé à restaurer le temple Takeo, l'un des plus majestueux et distinctifs de tous les monuments d'Angkor. Nous avons élaboré nos principes et nos normes au cours des travaux sur la Chao Saoy Thevoda et le temple Takeo. Par exemple, le principe d'intervention minimale et de réversibilité. Ils ont été reconnus et diffusés par les autorités locales et l'équipe d'experts de la CCI Angkor. Avec la restauration réussie des deux projets, le gouvernement cambodgien a officiellement remis le palais royal en ruine, la partie la plus centrale d'Angkor Thom, à l'équipe chinoise en 2018. Le palais royal est un vestige historique important construit à la fin du 11e siècle. Il est même plus ancien qu'Angkor Thom. Le corps principal est encore en cours d'étude et les dernières technologies, y compris l'IA, seront utilisées pour localiser les briques tombées. Après l'achèvement des travaux de restauration, le peuple cambodgien et les gens du monde entier verront le palais royal de leurs propres yeux. Je remercie le gouvernement chinois d'avoir étudié et restauré le site. La restauration du site du palais royal devrait s'achever en 2030, mais ce ne sera pas le dernier chantier de ce type, car la Chine s'est engagée à collaborer avec d'autres pays pour protéger les trésors historiques.